Bah là, il est en semi-repos, on va dire. Il a pas très bien couru l'autre jour dans le Normandie, mais oh, je pense qu'il n'avait pas récupéré du critérium. Parce qu'il a l'air frais, hein, pourtant. Est-ce qu'il aurait pas une deuxième carrière à faire à l'athlé maintenant, ce cheval-là aussi? Ouais, je pense. Moi, déjà l'hiver dernier, je pensais que je le trouvais meilleur à l'attelage. Et la course du critérium, ça m'a convaincu. Bah, il a toujours couru monté, quoi. Alors bon, Atlé, il commence à bien s'y mettre. Hein. Puis le fait de l'avoir déféré aussi, c'était bien. T'as pu regarder un petit peu son programme, il a des courses un petit peu à sa portée? Ou à chaque fois, il est obligé de se coltiner les bons? Non, il a des courses. Il a des courses. Je sais pas quand il va faire sa rentrée, mais j'en ai une 15 novembre. Ça paraît pas mal pour faire une rentrée. Des courses fermées en plus, donc il a plusieurs courses fermées à son programme jusqu'à la fin de l'année déjà. Donc à l'attelage. Non, puis il a pris de la force. Quand son propriétaire l'a repris après l'hiver et quand il l'a ramené, c'était déjà pas le même. C'est le fer de lance de ton écurie? Bah ouais, c'est le meilleur à l'heure actuelle. Sans mettre de plan sur la comète, mais un cheval qui pourrait participer au Cornulier par exemple? Oh oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Sur ce qu'il a fait, il a le droit de participer. Hein. Ouais, je sais pas. On va voir comment ça se goupille pendant l'hiver. Mais je pense qu'Atlé, il a des belles choses à faire. Ça, c'est Avion de Brie. Il vient de gagner à Vincennes là, il y a 15 jours. Il recourt dans une quinzaine de jours. Voilà. Comment tu le situes par rapport à tous tes autres A? Bah c'est. Il progresse bien, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est très très nerveux. Ça se voit très, pas. Hein. Très très nerveux, très tendu. Il a hérité ça de sa mère. Mais il va quand même. Hein. Mais bon, il progresse dans ce sens-là, lui, quand même. Il y en a, il s'arrange pas, mais il a l'air de s'arranger un peu quand même. Non, il a 50 000 euros. C'est bien, il travaille bien. Ça, c'est Anaor des Sacres. Et c'est un bon poulain, mais les deux dernières courses, très moyennes. Alors, je sais pas ce qu'il a, mais on va s'en occuper un peu plus à la maison là, et il va recourir dans 15 jours. Normalement c'est un bon poulain, hein, mais ces derniers temps c'était pas trop ça. Ses principales qualités? Et il a beaucoup de vitesse et il s'économise. Mais ces derniers temps le problème c'était son défaut un peu de s'économiser, je pense. L'hiver ça va dépendre de sa prochaine course? Ouais, voilà. Prochain coup, il faut qu'il nous montre quelque chose parce que sinon peut-être qu'on l'arrête un peu. Ou alors on le fait castrer. Non, je dis ça, c'est parce que son propriétaire, il va pas être content si on lui dit qu'on le castre. Mais au pire, on lui dira qu'on s'est trompé. Hein. Non, mais ça devra aller, mais... Je sais pas, peut-être qu'il a un coup de mou en ce moment. Ça, c'est Vabella. Et c'est une petite jument qui court monter. Oh, elle est gentille, pas trop de marge. Mais elle a toujours pris de l'argent, elle n'a jamais gagné. Il faudrait bien arriver à lui faire gagner sa course.
toujours 3-4. Qu'est-ce qui lui manque justement? Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est un tout petit modèle, alors elle commence à peiner un peu. Un tout petit modèle, elle a de la volonté, hein, mais bon, là, il commence à bouger les pattes hein, dans ces lots-là, alors c'est pas évident. Peut-être que. Après, peut-être l'année prochaine, on la fera saillir, elle a bien travaillé déjà. C'est une sœur à eu au pire. Un bon papier et. Elle a toujours été dans l'argent. Voilà. Baisse perle. C'est la casaque classique à Franck Amar. En espérant qu'on va faire briller. Non, bah elle est qualifiée. Oh, elle va peut-être pas courir à Paris cet hiver, mais elle est plutôt droitière pour l'instant. Mais elle va débuter prochainement, là, la trotte, elle devrait bien faire au début. Dans la génération DB, tu te sens armé un peu? Oh, on est bien moins armé que dans les A. Mais il y en a quelques-uns qui devraient gagner leur course. Mais on est moins armé que l'année dernière. Mais celle-là, elle s'est bien qualifiée. Jument brave qui trotte. Petit modèle pour courir tout de suite, quoi.